comme à entendre l'être de ta mère, afin que, oh Seigneur, tu puisses être ta puissante mère, oh Dieu, sur cette cérémonie, afin que tout esprit, oh Dieu puissant, je connais tout esprit qui ne te manque pas, oh Dieu, qui te manque de Jésus, afin que, oh Seigneur Jésus, nous puissions honorer, oh Seigneur, ton nom à travers cette cérémonie, oh nom puissant de Jésus. À l'échec, toi seul, Jésus, Seigneur, prends le contrôle de tout, afin que toute chose soit conduite par toi. Merci parce que tu le fais. Amen. 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 Dans notre hôtel de ville, notre maison commune.
Vous vous mariez un jour particulier de notre ville, comme vous avez pu le remarquer, c'est la fête de la ville, qui est un symbole de toute une, un symbole pour notre ville, un symbole mais de fraternité entre tous nos habitants de la ville. Donc c'est avec plaisir, donc la municipalité moi-même, donc nous sommes heureux de vous accueillir, comme je disais, dans cet hôtel de ville, dont les locaux furent inaugurés en 1993. Donc nous allons y officier l'union de Madame Jeon Esther Stéphanie Théa, j'espère que j'écorche pas vos noms, avec Monsieur Bikwame Elvis Terrence et cette union que je vais avoir le plaisir de célébrer devant vous et l'occasion de vous rappeler que le mariage civil dans notre pays a plus de deux siècles d'existence, puisqu'il a été institué en 1792, au moment même de la fondation de la Première République. Le mariage civil est donc une institution intimement liée aux valeurs de notre République, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, le refus des discriminations, et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je tenais donc à vous redire ces valeurs fondamentales qui vous accompagnent aujourd'hui dans votre union, qu'elles ajoutent du sens à votre engagement, mais aussi au rôle qui est le mien, en ce jour tout particulier, donc c'est donc avec joie et émotion que je vais officier maintenant, en vous livrant avant tout les mots du préambule. Pardon, les mots du philosophe Alain, aimer c'est trouver sa richesse hors de soi. Alors donc nous allons donc maintenant procéder à la célébration du mariage de Madame Jeon Esther Stéphanie Théa avec Monsieur Bikwame Elvis Terrence Écron. Est-ce qu'il a été fait un contrat de mariage? Non. Donc, conformément à la loi, donc, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, alinéa 1er, 215, alinéa 1er et 271-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents s'associent évidemment aux décisions de l'enfant qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité. Je m'adresse aux époux. Madame Jeon Esther Stéphanie Théa, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bikwame Elvis Terrence Écron, c'est présent. Oui. Le 24 juin 2017, à 14h devant nous,
publiquement la maison commune Bikwame Elvis Terence Ekrou, étudiant, né à Yassaf, sous-préfecture de Dabou, en Côte d'Ivoire, le 19 août 1992, domicilié à Paris 13e arrondissement, 92 rue Regnault, fils de Lou Nazier Yvonne Ekrou, d'une part, et de Jeune Esther Stéphanie Théa, étudiante, née à Divo, en Côte d'Ivoire, le 17 décembre 1994, domiciliée à Villetaneuse, 132 avenue Jean-Baptiste Clément, fille de Thiébi Claude Théa, domiciliée à Villetaneuse, également au 132 avenue Jean-Baptiste Clément, et de Gorée Justine Goïlou, domiciliée à Vridi, en Côte d'Ivoire. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Alexandre Pierre Maurice Pafloff, domicilié à Broglie dans l'Eure, de Marcel Zadi, de Okenou Janine Abegou, épouse Zadi, domicilié à Aubervilliers, 29 rue Charles Dillon, et de Sohou Didian Adèle Kouadioulou, domicilié à Villetaneuse, 132 avenue Jean-Baptiste Clément, témoin majeur. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. C'est la coupe. C'est un produit qui sont les mêmes qui parlent de toi. On est donc pas jamais. Ça va aller,
soigner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur le banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Et rien ne m'a refusé. On se moquait de moi. On me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Yeah!
Jésus-Christ de Nazareth, que la louange et l'honneur te soient rendus. Thank you.
Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Que l'Éternel des armées vous accorde aussi cette joie qui est la joie du mariage. Bien-aimé, je vais annoncer le père de la mission qui est Papa Marcel Zadi. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour ce moment. Amen. C'est un moment solennel que Dieu a prévu dans la vie de chaque personne. Amen, amen. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Je suis dans la joie cet après-midi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie? Ton amen ne me fait rien du tout. Ton amen n'a pas touché le ciel. Nous allons lire Éphésiens 5, versets 22 à 23. Parole du Seigneur. Oui. Femme, soyez soumises chacune à votre mari. Soyez soumises chacune à votre mari. Comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, c'est ça. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Oui. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme. Oui. Comme le Seigneur a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Alléluia. Amen. Continue. De même, les maris doivent aimer leur femme. Oui. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Et en prend soin. Comme le Christ pour l'Église. Yes. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Et pour terminer, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ. Et à l'Église. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, Paul nous explique la grandeur du mystère caché du mariage. Et Paul ici nous donne des éléments afin que chaque personne qui doit aspirer au mariage puisse être enseignée, puisse avoir la connaissance de ces éléments-là pour espérer aller au mariage. On se rend compte que le mariage en lui-même n'est pas une chose aussi aisé ou facile que n'importe qui peut avoir. À partir du moment où il a un mystère, c'est que ça dénote de quelque chose de mystérieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qui fait le caractère mystérieux du mariage? Amen, amen. Alors, regardez un peu. Paul a fait étalage de plusieurs exemples. Nous allons les parcourir un par un, mais que je vais regrouper en deux raisons. La première raison, Paul ici nous parle de la connaissance du mariage. En fait, je comprends par là que beaucoup veulent aller au mariage, mais ils n'ont pas la connaissance du mariage. Alléluia. Il a dit, femme, honore
ton mari. Et de l'autre côté, il dit, toi, mari, fais quoi? Aime ta femme. Gloire à Jésus. Nous comprenons aussi que quand tu honores et que tu aimes de l'autre côté, il n'y a pas de raison à faire souffrir. Alléluia. Deuxième niveau, nous comprenons que ce que Paul nous demande, au deuxième niveau, il nous demande une obéissance pure et simple de la connaissance des éléments du mariage. Gloire à Jésus. Nous voulons aller au mariage. C'est vrai, regardez, ils sont jeunes. Ils se sont levés et ils ont pris une décision. Ça n'a pas été facile. La chair certainement s'est levée pendant qu'ils préparaient ce moment-là. Mais ils n'ont pas cédé à la chair. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils ne soient là, ce que je vous enseigne maintenant, ils ont été enseignés de ces éléments-là. Gloire à Jésus. Donc s'ils n'avaient pas connaissance de ce mystère, de ces éléments du mariage, ils ne pouvaient pas aspirer à aller au mariage. Gloire à Jésus. Frère, c'est bien bon de se marier. C'est bien bon de vouloir aller absolument au mariage. Mais ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des éléments qui sont primordiaux. Regardez, je prends un exemple. Quand vous lisez le verset 26, qu'est-ce qu'il nous décrit? Il nous décrit la douceur. Il nous décrit la valeur réelle même de la femme. Frère, voici un élément. Comment tu peux aimer quelqu'un si tu ne connais pas sa valeur? Comment tu peux aimer quelqu'un si tu es incapable de pouvoir l'honorer? Comment tu peux te prétendre aimer quelqu'un que, alors que tous les jours tu es en train de la déstabiliser? Alléluia. Tu es tous les jours en train de l'humilier. Comment tu peux prétendre quelqu'un alors qu'elle est mal habillée, toi tu es sapé? Comment on dit souvent? Quand vous sortez, tu es couvert de bijoux, toi l'homme. Pendant que la femme, elle se cherche avec ses petits bijoux de 2 euros. Alléluia. Regardez, c'est des éléments, frère. Quand une femme est en joie, la maison est en joie. Quand une femme est honorée, la maison est honorée. Frère, ce qui fait que très souvent, nous sommes déstabilisés et que nous parlons tout à l'heure du bonheur et que le bonheur tarde à venir, c'est parce que nous n'avons pas encore pris connaissance de la considération et de l'importance de la vie d'une femme dans ta vie. Le jour où tu en prendras connaissance, tu verras qu'en fait, tu as souffert et tu as attendu longtemps à pouvoir avoir certaines bénédictions qui ont tardé dans ta vie parce que tu n'as pas pris soin de la femme. Gloire à Jésus. Frère, très important de pouvoir honorer la femme. Très important d'aimer la femme. Amen. Et tout ce que Paul nous dit, il dit c'est vrai. Toi femme, tout ce que je te demande, c'est vrai que l'homme a beaucoup à donner. L'homme a beaucoup à faire. Regardez, quand vous lisez plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui doit aller travailler pour amener la manne à la maison. Normalement, la femme est assise. Nous, en tant qu'hommes, nous avons un devoir, on l'aime, point. Elle est assise là. Elle fait quoi? Elle est soumise à nous, à tout ce que nous souhaitons. Elle est là, elle travaille à notre bien-être. Gloire à Jésus. Et quand nous partons, nous ramenons la manne, elle gère la manne. Elle gère le foyer. Elle gère les enfants. Elle gère tout ce qui est dans la maison. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui pourquoi nous souffrons? Parce que nous avons deux portefeuilles. Alléluia. Quand il y a deux portefeuilles dans la maison, ça veut dire mon compte, ma carte bleue. Non. Tu as, c'est notre carte bleue. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est comme ça. Tu vas travailler, elle gère. N'est-ce pas? Tu te lèves à 5h du matin, pendant qu'elle dort, toi tu ramènes, elle gère. Mon frère, c'est comme ça. Hein? Les vêtements que nous portons là, c'est elle qui gère. Mon chéri, quand tu es habillé comme ça, moi ça me plaît. Habille-toi ainsi. J'ai trouvé un magasin à Londres. Ils vont te coiffer. Ils vont bien te faire. Quand tu sors comme ça, que moi je suis bien à côté, je suis heureuse. Frère, quand une femme commence à murmurer dans ta maison,
il faut commencer à prier fort. Ta maison est en danger. Le diable va rentrer. Ne laissez jamais la femme murmurer. Ne laissez jamais la femme mécontente dans la maison. Parce que l'état d'esprit de la femme émane, n'est-ce pas, de l'avènement du bonheur. C'est pour ça que la Bible est claire. Celui qui a rencontré la femme a rencontré qui? Quoi? Le bonheur. Donc si la femme est humiliée, la femme est blessée, la femme est déshonorée, le bonheur ne peut pas rentrer. Mon fils, je te sais un garçon élégant. Je te sais un garçon intelligent. Je te sais un garçon serviable, sage. Je te sais un garçon capable. Parce que quand tu prends une décision, tu ne recules pas. Et ce qui est bien avec toi, tu amènes tout le monde à aimer. Parce que c'est toi seul qui décris ta chose. Et tellement tu la décris bien, on n'a pas le choix d'aimer. Regarde tout ce monde-là que tu as rassemblé. Des gens sont venus de partout. Londres, Angleterre, partout, aux États-Unis, Côte d'Ivoire, ils ont pris avion, tout. De la Bretagne, partout, ils sont venus te voir. Parce que tu as permis qu'ils soient là. Ce que je dis, en général, j'ai toujours dit, on se marie pour les autres. Mais c'est des choses que tu sais déjà parce que je te les ai déjà données comme conseil. Mais je préfère encore te les apporter, te les porter devant ta famille. Ma fille qui est assise là, là. La Bible dit, tu dois t'en occuper comme Christ s'est occupé de l'église. Parce qu'elle est ni tâche, ni rite. Là. Il n'y a pas de balaf. Son teint là est sorti fort. Donc ce même teint doit être toujours pareil. Alléluia. Tu m'entends, mon enfant? Alléluia. Et en plus, ce qui est là où tu n'as pas le choix, tu as un appel. Tu sais, quand on a un appel, le témoignage est primordial. On peut tout dire de toi, mais il ne faudrait pas qu'on te retrouve dedans. Parce que les délateurs, tu ne peux pas les empêcher, mon fils. C'est les gens qui détruisent les visions. Personne ne peut détruire la vision d'un enfant de Dieu. Tu as une vision. Aujourd'hui a commencé ta vision. Tu dois rester collé, connecté à ta vision jusqu'à ce que tu arrives. Tu verras, les gens vont te. Personne ne croira en toi. Mais à partir du moment où Jésus croit en toi, ne crée rien. Alléluia. Amen, amen. Je disais tantôt, aujourd'hui tu as rencontré le bonheur. Tout dépend de toi. Amen. Moi, quand je me mariais, pour faire un petit témoignage, personne n'a cru à mon mariage. On disait, oh, ceux-là, au bout de 3 mois, c'est fini, ils vont divorcer. Amen. Mais nous sommes dans la 15e, bientôt 15 ans. Hein? Mon fils, il y a des gens, c'est des briseurs de rêves. Ceux-là, on ne peut pas les empêcher. Mais la seule chose que je te demande, n'ouvre pas toi-même la porte pour aller détruire ton bonheur. Reste comme tu as été toujours. Celui qui a rencontré la femme a rencontré le bonheur. Mais de quel bonheur s'agit-il? Deutéronome 11, à partir du verset 21. Deutéronome 11. Tu les écriras, oui, sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Mm-hmm. Alors, ma fille, lis avec vie, je te prie. Alors, vos jours et les jours de vos fils, oui, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, mm-hmm, seront aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. Le bonheur dont parle aujourd'hui Paul au travers de ce mariage. Il dit alors, vos
Lis avec moi, ma fille. Alors vos jours. Vos jours. Et les jours de vos fils. Et les jours de vos fils. Dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. Ici, tes entrailles sont déjà une bénédiction. Dès lors, tu acceptes le concept du mariage et que tu y rentres, automatiquement, la fécondité y prend acte dans ta vie. Alléluia. Continue. Car si vous observez bien, si vous observez bien, yes, que je vous donne, et si vous les mettez en pratique, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, pour marcher dans toutes ses voies, yes, et pour vous attacher à lui, et pour vous attacher à lui, l'Éternel dépossédera devant vous toutes ces nations et vous prendrez possession de nations plus grandes. Amen. Ma fille. Amen. Voici ce que dit le Seigneur. La Bible dit, voici ton mari, lui, il n'a pas le choix de t'aimer, mais toi, soumets-toi. Il n'y a pas deux maîtres dans une maison. Ton mari a parlé. Amen. On fait d'abord, on obéit d'abord, et après, on vient revendiquer. Mais calmement. Tu m'entends? Et la Bible nous dit que si tu obéis, et que tu mets en application ces conseils, cette connaissance dont tu as parlé, Éphésiens 5, 22. Tu seras féconde. Alléluia. Amen. Le bonheur sera avec toi. Amen, amen. Donc, une seule chose que je te demande, c'est que tu sois lente à parler. Lente à la réprimande. On ne réprimande pas un mari. Quand tu as réprimandé un mari, c'est comme tu as réprimandé Dieu. Parce qu'il est le maître de ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce qui est important, pour terminer, ce qui est important, c'est, nous allons aller dans Ecclésiaste 4, verset 9, ce qui rend ce mariage mystérieux, la Bible nous dit, parole du Seigneur. La corde à trois filles, continue. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils ont un bon salaire. Parce qu'ils ont un bon salaire. De leur peine. Yes. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. L'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Mais malheur à celui qui est seul. Et qui tombe. Et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. Yes. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. On a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Yes. Si quelqu'un maîtrise un homme, deux peuvent lui résister. Yes. La corde à trois brins ne se rompt pas. Yes. Vite. Merci. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Un homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Les deux formeront une seule chair. Ma fille, aujourd'hui là, tu ne t'appartiens plus. Aujourd'hui, tu es monsieur, tu es madame Écrou. Tu comprends? Là où on joue au violon là, c'est terminé. Non, moi je suis fatigué. Moi je ne veux pas. Je suis fatigué, je ne veux pas. Ton corps ne t'appartient plus. C'est là l'obéissance, la soumission. Tu es allé travailler, fatigué, tu es venu, il veut manger, il faut lui donner à manger. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ici, on te dit, quand vous êtes deux, vous pouvez ensemble résister à l'imposteur, à celui qui rentre, vous cherchez à vous détruire. Je comprends par là que si toi tu n'es pas d'accord, ou si tu es en désaccord avec ton mari, l'imposteur va rentrer. Donc aujourd'hui, le mariage, le foyer que vous allez faire, dépend de ton état.
dépend de ton cœur. Il y a des femmes, quand ils s'attachent à un homme, ils ne veulent plus jamais entendre parler de quelqu'un d'autre. L'homme n'a plus de famille, l'homme n'a plus de frère, l'homme n'a plus de soeur. Non, 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 c'est pas ce que la Bible est en train de nous dire. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et la Bible dit ici que il vaut mieux deux. Quand on parle de deux, ça dit qu'on parle d'un mariage humain entre Elvis et toi. Ça, c'est le mariage horizontal. Mais quand il y a une troisième corde, ce qui fait que ce mariage devient mystérieux. Il y a Elvis, il y a toi, ma fille, et il y a Dieu. Les trois cordes, la troisième corde, c'est celle-là qui rend le mariage qui a été célébré aujourd'hui mystérieux. Donc aujourd'hui, ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir. Donc vous voyez, l'importance de ce mariage, c'est la troisième corde dont nous parle Salomon. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes marié devant les hommes. Vous êtes marié devant les anges. Vous avez été marié devant les autorités. Maintenant, vous allez vous marier devant Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pour l'instant, ils sont Elvis et Stéphanie. Et tout à l'heure, ils seront Madame Ekou. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si à la mairie vous avez entendu. Mais moi, je n'ai pas entendu. Amen. Est-ce que vous avez entendu le oui de Elvis à la mairie? Moi, je n'ai pas du tout entendu. Amen. Bon, c'est un lieutenant qui ont dit oui, mais moi je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Amen. Alors, monsieur Ekrou. Au son de ta voix. Monsieur Ekrou. Regarde ma jolie fille. La princesse. La fée. Ma fille, tu as pleuré jusqu'à ce que ma fille devienne prendre. Amen. Tu es le Dieu qui. Alors, tout à l'heure. Tu vois, comme on l'embellit. Tout à l'heure, à la mairie, on te demandait si tu voulais prendre pour épouse Mademoiselle Théa. C'est bien cela. Mais je n'ai pas entendu. Alors tu vas nous dire devant ta famille, devant les hommes de Dieu et devant l'église. Dieu qui là, je n'ai pas entendu. Parce que le maire était tellement pressé que je n'ai pas entendu. Amen. Monsieur Ekrou, veux-tu prendre pour épouse Mademoiselle Théa, ici présente? Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Je le veux. Oui, oui.
Stéphanie. Je dis oui, Stéphanie. Je dis oui. Oui, oui. Je dis oui, Stéphanie. Je dis oui, Stéphanie. Je dis oui. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Ma fille, là j'ai enfin compris le oui. La plus belle. La fée des fées. Le monsieur là, il dit oui. Veux-tu prendre monsieur Ekou pour époux? Je sais pas. Hein. Est-ce que tu es sûr? Hé, hey, réfléchis là. Je m'en vais. J'ai dit oui. Je dis oui, Elvis. Amen. Je dis oui. Alléluia. Bon. Alors, j'aime bien ce moment. Amen. J'aime bien ce moment. C'est un moment. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut aimer la femme. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut être soumis à son mari. Amen. Depuis longtemps, je t'ai cherché. Depuis je t'ai attendu. Maintenant je ne sais pas. J'avais que longtemps dans le célibat. Je priais, je n'ai pas obtenu. C'est le plus beau cadeau du ciel. Et je chante mariage. Regarde, papa s'est dépassé depuis Abidjan. Mariage. Maman s'est aussi dépassé depuis Abidjan. Maman s'est aussi dépassé depuis Abidjan. Aujourd'hui là, on parle pas. La femme vertueuse, c'est toi que j'attendais. Je chante mariage. Tous tes amis sont là. Sais-tu que tu existais avant le commencement, une beauté pareille, c'est Dieu qui l'a créée. Quand je regarde tes yeux, c'est mon bonheur que je vois. Vraiment, tu es la plus belle de toutes les femmes. Surtout quand tu me parles bébé et que tu me dis je t'aime. C'est là que ma vie devient souplesse. Un beurre de cacao me fatigue chaque jour. Alléluia. Je remercie mon sauveur de ta mort. Alors j'ai pour habitude de l'appeler amour. Tantôt c'est amour de moi, tantôt c'est mon cœur, tout compte fait c'est mon tout. Amour, je te remets cette alliance, signe de mon amour pour toi, ma fidélité. Alors, je vais chanter la chanson. Alors, groupe musical, mettez-vous en place. Ils seront surpris de me voir. Je veux le refrain.
Ils seront surpris de me voir. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui m'ont rejeté. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui m'ont calotté là. Ils seront surpris de me voir. Après mon mariage là. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui t'ont rejeté. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui t'ont maltraité là. Ils seront surpris de me voir. Maman, oh. Ils seront surpris de me voir. Mes garçons, donnez, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ils seront surpris de me voir. Le premier qui va venir s'appelle Thierry. Ils seront surpris de me voir. On y va. Un. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui t'ont rejeté. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui t'ont maltraité là. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui n'ont pas cru en toi, attention. Ils seront surpris de me voir. Tous ceux qui t'ont insulté. Ils seront surpris de me voir. Après ce programme-là. Ils seront surpris de me voir. On a dit que tu n'avais jamais avancé. Ils seront surpris de me voir. Tu n'allais jamais reçu dans la vie. Ils seront surpris de me voir. On t'a même dit que tu n'allais jamais te marier. Ils seront surpris de me voir. Mais ce soir, ils seront surpris de te voir. Ils seront surpris de me voir. Alors, mon best man, le dernier. Ils seront surpris de me voir. Il s'appelle Camara. Attention, 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 tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui t'ont délaissé, ils seront surpris de me voir. Ils seront surpris de me voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je te remets cette alliance, signe de mon amour pour toi, de ma considération, de ma fidélité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je t'aime, cœur. Amen. Amen, amen, amen. Ma fille. Ah, il a fait fort, hein. Ton papa est là. Tes parents sont là. Tes amis sont là. L'homme là, tu as vu derrière lui? Ah, il y a du monde, hein. Ma fille. Bon, je ne sais pas comment tu veux maltraiter mon enfant. Mais comment tu veux lui donner le bonheur? Mais tout dépend de toi aujourd'hui. Ce que tu vas me dire là, c'est en fonction de ça, je vais voir dedans. S'il faut, il faut. Mais je sais que tu as reçu l'éducation qu'il faut. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Mon ange, je te donne cette bague en signe de mon amour. De ma fidélité et de mon respect. Il n'y a aucun secret de ses lèvres. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Et il a menti. Il a menti. Amen. Amen. Alors. Ce moment qui est pour ce couple important, je demande aussi l'attention. C'est le moment le plus important pour ce mariage. Si tu es totalement disposé et que ton mariage t'engage, ton foyer t'engage, l'homme te fatigue, pendant que tout à l'heure, les hommes te seront. Marié, tu m'as dit, l'onction qui se dégage dans cette prière-là, touche et redresse ton mariage. Redresse-la ton famille. L'homme qui fait comme ça là, tu vas voir que tout de suite, le lendemain va t'appeler pour dire je regrette. Mais en fait, c'est toi que je veux. Et ton mariage est là aussi. Je vais inviter tous les hommes de Dieu autour du monde.
Seigneur, nous voulons te recommander cette union. Éternel, je prie que ta grâce surabonde, Seigneur, dans cette union. Je prie que ta faveur surabonde dans leur vie. Éternel, pourvoie à leurs besoins. Sois les forces et leur joie. Je prie, Père, que toute opposition se transforme en soumission. Je déclare que ton règne s'établisse dans leur vie, qu'il ne manque de rien. Éternel, que après cette union, cette célébration, je déclare qu'il y a une suite. Et la suite, c'est le bonheur, la joie, l'amour, mon Dieu. Je prie, Seigneur, la seule chose qui unit deux personnes, c'est l'enfant ou des enfants. Seigneur, la Bible dit, soyez féconds et remplissez la terre. Je déclare la fécondité dans cette union. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Béni sois-tu pour ce couple. Nous croyons notre Dieu Tout-Puissant que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous voulons notre Dieu Tout-Puissant apporter la grâce et la bénédiction dans ce foyer. Je prie, éternel notre Dieu, que tout ce qui est œuvre de la sorcellerie ou œuvre de division soit détruit au nom de Jésus. Je prie, éternel notre Dieu, que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie, partout où ils iront. Je déclare qu'ils soient accompagnés par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci notre Dieu Tout-Puissant de faire taire toute langue qui se lève éternelle contre eux. Tu as dit dans ta parole, toute langue qui se lève contre nous sera d'avance condamnée. Je déclare que ta grâce, que ta faveur, Seigneur notre Dieu, les bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. C'est toi qui as dit dans ta parole que personne ne sait pas ce que toi tu as uni. Je veux proclamer, Seigneur, ta parole afin que ton esprit, Saint-Père, vienne sceller cette parole dans leur vie et que cette union soit consolidée davantage par ton amour, par ton esprit et par la connaissance de ta parole. Je prie, Seigneur, qu'ils vivent longtemps, qu'ils vivent heureux et que la seule chose qui puisse les séparer, que ce soit la mort, mais le plus tard possible au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient bénis, toi qui nous as rassemblés en ce lieu, bénis-les, bénis leur union, bénis leurs enfants, bénis leurs futurs enfants et comme ton serviteur l'a si bien dit, qu'ils soient des sources de bénédiction au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Dieu et notre Père, ça fait près de 20 ans que je suis marié, ma femme et moi. Je crois fortement que ce mariage va tenir. Personne au nom puissant de Jésus ne peut renverser ce mariage. Éternel, j'ouvre quatre portes. La première porte donne la fécondité, notre Dieu. Deuxième porte donne la richesse, notre Dieu. Troisième porte, éternel, que la paix soit dans ce foyer. Quatrième porte, que ce, notre Dieu, ce couple reste ensemble, qu'ils vieillissent ensemble, notre Père. Merci. Bénis notre Dieu ce moment. C'est fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils sont maintenant mariés selon les liens sacrés, n'est-ce pas, du mariage. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. On peut venir prendre des photos. Maintenant, on peut soulever le voile. Tu peux embrasser la mariée. Thank you.
Alléluia. Mon fils. Non. Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as vu quelque chose? Moi, je n'ai rien vu. Mon fils. C'est parce que je t'ai appris. Mon fils. Regarde. Mon fils. Mais là, tu fais la honte de la famille. Tu déshonores la famille, là, mon fils. Est-ce que c'est ce que je t'ai appris? Montre-moi ce que tu sais faire. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Amen. Amen. Alors, avant, amen, ils vont nous danser, ils vont nous esquisser en 5 minutes quelques pas de danse. Amen. Donc on va ils vont danser un peu. Ensuite, rapidement, on va prier pour la nourriture et on va ouvrir le bal. Mon fils, tu sais faire? Voilà.
On peut s'asseoir. Nous allons prier pour la nourriture. Amen. Nous allons tous baisser la tête. Nous allons prier pour la nourriture. Je demande à ce que tout le monde... Nous allons tous suivre le mouvement. Nous allons baisser la tête. Nous prions pour la nourriture. Père, d'être sanctifié ce repas que nous allons manger. La Bible dit, il est doux et heureux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que tu apportes ta grâce et ta bénédiction. Je prie, Seigneur, que cette nourriture, mon roi, que nous allons consommer, apporte dans nos cœurs la joie, éternelle la réjouissance, mon roi, de voir ces deux personnes unies. Bénis le reste de ce moment, au nom de Jésus, j'ai prié, et nous disons Amen. Merci, serviteur. On peut maintenant commencer à servir la nourriture. Chacun de vous se tienne debout pour encore une fois les encourager. Nous pouvons recevoir M. Écrou pendant qu'ils sont en train de faire leur entrée. Je tiens à vous rappeler que le marié est vêtu d'un boucou assez riche qui a été confectionné par Yves Saint-Laurent. Donc, observez bien le boubou qu'il a porté de façon spéciale. Cela a été cousu par la main. Et la mariée est dans un vêtement vraiment très, 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 très joli et très beau. Avec le foulard orné. J'aimerais que nous les ovationnons, s'il vous plaît, pendant qu'ils font leur entrée. Ils sont beaux. C'est une joie. Est-ce que les mariés peuvent lever simplement la main pour contaminer tous ceux qui veulent leur rejoindre dans les liens sacrés du mariage? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut les ovationner, s'il vous plaît. Nous allons permettre à nos mariés de rejoindre leur place pour juste déguster quelque chose. Et nous allons continuer dans le programme. Il est là. Je suis là aujourd'hui pour soutenir mon petit frère Elvis et souhaiter vraiment un joyeux mariage et que la main de l'Éternel soit dans ce foyer. Qu'il vous bénisse abondamment. Bonsoir, papa. C'est en anglais et puis on guérit. Mais l'anglais n'est pas compliqué. Hein? Vous allez comprendre ce que je chante. Amen. Alléluia. My God.
my father. I wanna thank you for everything for me. Hey, my God, my father. I wanna thank for everything for me. You don't forget me. You never forsake me. Anywhere, every day, you show me your love. You never forsake me. You never forsake me. Anywhere, every day, you say me your love. Oh, good day. I wanna thank you. Oh, good day. On va chanter ensemble. I wanna thank you, oh, Gode. My God, my Father, I wanna thank you for everything for me. Hey, my God, my Father, I wanna thank you for everything for me. Hey, you don't forget me, you don't say forget. Show me your love. You don't ever forget me. You don't ever forsake me. Anywhere, every day, you say me your love. Oh, good day. I wanna thank you. Oh, good day. Yeah, good day. I wanna thank you. Musique, vous pouvez arrêter. Je vais le faire a cappella. C'est simple. Godé, godé, na godé. I wanna thank you, oh godé. God. In Nigeria, we say God. I want to thank you. Je vais te dire merci. Godé, 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 na godé. Hey. I wanna thank you, oh godé. Hey, hey, godé. Godé, na godé. I wanna thank you, oh. C'est simple, hein, chantez avec moi. Eh, godé, godé, na godé. I wanna thank you, oh, godé. Kela o, monye mambo. Sobo kela o, mama wele. Wa kela o. Mon blé à Manguyo, tout mon gela, maman ou elle est, gela ho, gela ho, tout mon gela, maman ou elle est, you do not forget me, you don't say forsake me, anyway, every day, you show me your love, oh, good day. I wanna thank you, oh, Godé. Comment on dit? Godé, Godé, na Godé. En gourou, on dit merci, comment? I wanna thank you, oh, Godé. Godé, Godé, na Godé. La go, I wanna thank you, oh, Godé. Et la ho, Godé, Godé, na Godé. Ça, c'était juste ma petite impro. La nouvelle chanson est sur l'album. Et on va danser à la gloire de l'Éternel pour lui dire merci. Donc, c'est vous qui choisissez la chanson que je vais chanter. Dites-moi. Alléluia. Nous, on adore Jésus. Oh, il est vivant. Bon, bon, bon. On adore Jésus. Oh, il est vivant. Jésus là est vivant, bon, bon. Nous on adore Jésus. Il est vivant, bon, bon. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, bon, bon. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, bon, bon. Oh, nous on adore Jésus. Il est vivant, bon, bon.
merci. Mon adoré Jésus, il est vivant. Mon adoré Jésus, il est vivant. Mon adoré Jésus, il est vivant. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie? Amen. C'est vraiment, c'est joli. C'est très, très beau. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Non. Du restaurant qui a confectionné ce gâteau. Ou bien je peux dire. Je peux dire. Je peux dire. Il y a plusieurs restaurants sur les Champs-Élysées. Il y a Pizza Pino que tu peux dépasser. Mais avant d'arriver à Pizza Pino, il y a un restaurant qu'on appelle le Fouquet. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es
encore procéder à la coupure du gâteau. Tu peux encore les ovationner. Et tes yeux, tu peux les honorer, s'il te plaît. Vos personnes nous ont unis ici en ces lieux. Bien-aimé, tu peux encore les ovationner. La joie est partagée. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Wow! J'ai vu la robe. C'est une robe qui est confectionnée par Christian Dior. Regardez la beauté de la robe. C'est une robe magnifique. Le contraire. Le seul modèle qui a résisté sur la terre. C'est merveilleux de